On avait fait l'acquisition de ce bâtiment en 2007. C'était un ancien cet aquarium, c'est-à-dire on vendait des poissons exotiques ici. Et donc depuis, on a commencé à occuper les lieux. Jusqu'en 2010, on a fait une demande d'un permis d'aménagement. C'est un travail vraiment ancestral qu'on a reproduit ici en cherchant des maîtres dans différents domaines. Donc il y a le domaine du plâtre. Donc ce que vous voyez là, c'est du plâtre. Donc près 60 à 70% c'est sculpté dans la masse avec la manière vraiment traditionnelle. Dans une mosquée, on trouve, pour ceux qui ne connaissent pas, on trouve toujours cette niche-là qu'on appelle le mihrab. Donc c'est là où l'imam s'installe pour diriger la prière. Permettez-moi donc, au nom de la communauté musulmane locale et des musulmans de la Lorraine, de vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre indéfectible soutien. Dans un contexte incertain qui traverse notre pays, où d'un côté la menace terroriste est toujours aussi présente, et d'un autre côté la tentation populiste, le mépris et le rejet de l'autre nous guettent, les citoyens de notre pays ont besoin plus que jamais de solidarité, d'ouverture à l'autre et de rencontres comme celle-ci. Et je dois vous dire que aujourd'hui, dans les circonstances économiques, sociales, politiques que connaît notre pays et que connaissent, j'allais dire, tous les pays du monde et plus particulièrement toutes les démocraties du monde, eh bien, il est indispensable que ces valeurs que nous portons de liberté, d'égalité et de fraternité, elles soient mises au service d'un dialogue constant entre la puissance publique et vous, au nom de celles et ceux ce soir qui expriment leur foi, aussi intime soit-elle, elles participent, pour celles et ceux qui le souhaitent, à l'exercice de la construction du citoyen. Il y a une très belle tradition, c'est celle de l'accueil. Vous nous accueillez ce soir. La tradition de l'accueil, c'est une tradition importante. C'est j'entre dans ta maison, je te fais entrer dans ma maison, je te permets de voir qui tu es, je te demande de voir qui je suis. C'est ce que vous voulez faire avec nous ce soir. Et ça, c'est extrêmement appréciable et important. Journée du patrimoine, à force de rencontres, à force de connaissances, à force de se regarder dans les yeux et de ne pas écouter des rumeurs, eh bien nous arriverons à faire ce que nous sommes, des citoyens français fiers, porteurs d'un avenir pour nous, pour nos enfants, pour notre planète. Et je pense que nous pourrons être ce qu'étaient les constitutionnalistes de 1789, les éclaireurs. Merci.